Action. Tout est si paisible dans les cinq mondes. Ou bien est-ce six? Depuis une éternité, nous possédons 12 000 trésors. Ou bien est-ce 14 000? Et à propos de ce Gnastig Nork, bon, je sais qu'il a découvert un sort pour transformer les gemmes en guerriers à son service. Je vais vous répondre. Gnastig Nork est une créature simple. Simple ? Il a été exilé dans un autre monde et n'est plus une menace pour le royaume des dragons. Plus une menace ? Et en plus, il est moche. Moche ? C'est le bouquet ! On dirait que je vais avoir du travail. Merci de m'avoir libéré, Spyro. Libère 10 dragons dans le monde des artisans, puis retrouve l'aéronaute. Il t'emmènera dans le prochain monde. Et pour Gnastig Nork, je vais m'occuper de lui. Trouve d'abord les dragons. C'est tout ce que je peux te dire. Gnastig Nork, je vais lui faire sa fête. Ne t'emballe pas, Spyro. Tu as beaucoup à apprendre avant. Est-ce que tu sais ce que fabrique la libellule qui te suit? Il s'appelle Sparx, et il est là pour t'aider et te protéger. Garde un œil sur lui et tu comprendras. En sauvant 10 draps, tu pourras utiliser ce ballon pour rejoindre un...
veux connaître un secret? Utilise action quand tu veux zoomer pour regarder autour de toi. Oh, ton secret est bien gardé avec moi. C'est toi. Je n'étais pas sûr que tu avais échappé à ces agaçantes petites créatures. Moi, je ne les crains pas, mais voilà un conseil. Leur armure en métal les protège contre le feu, mais une charge t'en débarrassera. Charger les grands ennemis, comme ce gnork avec un gourdin. Mais tes flammes, ça devrait faire l'affaire.
Quand tu libères un dragon ou quand tu montes sur l'une de leurs plateformes, tes progrès sont sauvegardés. Cela peut être utile en cas de problème. Encore que ça ne risque pas de t'arriver, Spyro. Surveille la libellule, Spyro. Sa couleur indique sa puissance. Lorsqu'il mange des papillons, il devient plus fort, comme moi. Ok. Veux-tu un conseil pour planer? Bien sûr! Pour planer plus loin, appuie sur sauter au sommet de ton saut et essaye d'appuyer sur action pour retomber en cours de vol.
après avoir libéré tous les dragons, traverse ce drôle de vortex, machinotruc. Il te ramènera au monde des artisans. Mais laisse-moi d'abord te raconter une histoire. Non merci, au revoir. Appuie deux fois sur sauter pour planer et n'aie pas peur. Peur? De quoi? De tomber des pics de montagne pour t'écraser sur des glaciers préhistoriques. Oh, de ça. Bienvenue à la place du village, Spiro. Commence par planer pour explorer la zone des taureaux. Regarde bien autour de toi.
Le bout de mon aile me grattait terriblement. Savais-tu que tu pouvais planer plus loin en appuyant sur sauter au sommet de ton saut? Habillé en bleu dans les environs. C'est un voleur qui a dérobé un œuf de dragon. Tu dois le retrouver et récupérer l'œuf. Cours, cours. Je suis un peu fatigué. Merci de m'avoir libéré, Spyro. Tu peux toujours consulter ta progression en accédant au carnet via le menu pause.
tu as bien travaillé en sauvant les dragons. Tu peux rejoindre le monde des Pacifiques si tu veux. Tu es prêt à y aller?